Bah, tout simplement, comme son nom l'indique, notre ministère s'adresse à la jeunesse. Nous avons fait des études et nous avons trouvé que tous les jeunes du Maroc aujourd'hui sont sur Internet. Et puisqu'ils passent 2, 3, 4 heures par jour en fonction des segments sur Internet, bah, on s'est dit que c'est très important qu'on soit aussi sur Internet avec un site ouvert, un site jeune, un site dynamique. Donc, on a fait Khidmat Shabab. Et Khidmat Shabab, يعني بأنه خصنا نتواصلوا مع الشباب عن طريق أيضا التقنيات الجديدة اللي الشباب تيبغوها خاصة الإنترنت. وهو لما نهضروا بكل صراحة لما شفنا الحصيلة ديال الوزارة خاصة بالنسبة للشباب تلقاو بأنه الوزارة تتكلف بواحد الشريحة اللي هي شريحة الأطفال اللي هما ما بين 6 سنوات و 15 سنة. Que ce soit les colonies de vacances, que ce soit les différents maharajanats, le cinéma, le théâtre, etc. Donc, toutes les activités du ministère, c'était pour des enfants, des jeunes, entre 6 et 15 ans. Mnijina, on a redimensionné avec la notion de jeune. C'est quoi un jeune? Et on est parti aujourd'hui d'une définition qui consiste à dire il y a l'enfance, et cette enfance, elle va de 6 à 14, 15 ans. Et il y a la jeunesse, et la jeunesse, elle va de 15 à 30 ans, ou plutôt de 18 à 30 ans, parce qu'il y a un effet aussi légal qui est celui de la majorité. Donc, de 6 à 18 ans et de 18 à 30 ans, deux segments. Le segment 18 à 30 ans, pour nous, est un segment important. Et ce segment, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre de service de la part du ministère. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse communiquer avec ces jeunes pour bien comprendre c'est quoi leurs besoins. Leurs besoins en termes de vacances, en termes de loisirs, en termes de travail, en termes de logement, en termes de relations avec leur famille, les relations et les problèmes quotidiens, les problèmes liés à la cigarette, à la drogue, à la santé. Et tu peux le brûler dans quel moment, Shabab Ali, بطريقة اللي هي مباشرة مفتوحة sans langue de bois, باش نقدروا إحنا كوزارة نجيو ونعطيو واحد الخدمة اللي هي أفضل للشباب المغربي. Je pense qu'il ne faut pas faire un site internet juste pour être dans les faits de la mode. Il faut faire un site internet pour en faire un véritable outil de communication, un vecteur de discussion avec la jeunesse marocaine. Donc il faudrait que ce site soit rempli de contenu de manière, on va dire, continue. Il faudrait que ce contenu intéresse les jeunes. Il faut qu'il y ait de l'interactivité. Et il faudrait que ce site puisse être quelque part, le cœur nabid de la relation entre le wizara et le chabab. Donc, on va utiliser ce site de manière importante pour vraiment ouvrir des forums de discussion, pour poser faire des questionnaires, avoir des réponses et en faire un outil qui puisse nous aider à être mieux au service des jeunes. Il a brûlé un connu fait de match chabab, le site internet, il a été un tariq l'irsam choufiha. وهادشي علاش غادي يكون منفتح وغيكون فيه واحد العلاقة اللي هي ودية ومباشرة ما بين الوزير والشباب